Ambala. Attention les amis, c'est parti. Qui veut être mon associé? Les deux premiers associés de la journée. Urgent time. En cas de problème, t'appelles Urgent Time, de pas faire 17, 18. Qu'est-ce que c'est que ça, Urgent Time? C'est combien le numéro? Moi, en cas de problème, de toute façon, j'appelle Patoche, hein, pas chercher plus loin. Pour les pompiers, 15. 15. Hein? Mais c'est 18, faites un effort, les frérots. 15, c'est le SAMU. 17, la police. 18, les pompiers. Faut faire un effort, c'est très grave, frère. Ça lève des millions d'euros, si on n'est pas le numéro des pompiers. Sinon, tu fais le 112. Oui, c'est vrai qu'il y a 112. Moi, je faisais 911, mais ça marchait pas. Oh, excuse-nous, l'américain, frérot. Non, mais lui, c'est trop, lui. Bonjour, moi, c'est Jovien. Et moi, Anthony, nous sommes les cofondateurs de la startup Urgent Time. Et nous vous proposons 7% contre 300 000 euros. Il y a quelques années, ma vie a basculé suite à un accident. À valeur de l'entreprise, 4 millions. J'ai frôlé la paralysie parce que les services de secours ont eu du mal à évaluer la situation au téléphone. Et ce qu'il faut retenir de ce jour-là, c'est qu'au téléphone, eh ben, c'est parfois compliqué de comprendre ce qu'on nous raconte. Par contre, dès qu'on voit, alors on comprend tout de suite. Et c'est de là qu'est née notre mission, de donner des yeux à nos héros du quotidien. La dinguerie. Je vous rappelle que dans l'émission, on note le speech, l'utilité du produit. Hein. Cette solution, on l'a faite. Côté médecin du SAMU, c'est un site web où ils vont pouvoir passer des appels vidéo en saisissant le numéro de téléphone de leur patient. Côté patient, il faut juste cliquer sur le lien reçu par SMS. En vrai, c'est une bête d'idée, c'est con. Enfin, c'est con, vous voyez. Milliers de personnes, que ce soit à travers les services d'urgence ou les services clients des entreprises, et on va pouvoir transmettre. Mon gosse est bleu, j'attends pas un message. Donc vous pouvez me le faire voir, votre gosse? Ah bah il est bleu là, ouais. Ah bah là il est, oui bah là on dirait un bonbon acidulé, oui oui. Ah bah là il va mourir là, il faut faire quelque chose. Un frérot, c'est trop grave, ton gosse il est bleu frère, t'es déjà en urgence. Former ces centaines de milliers de personnes en millions de personnes, voire dizaines de millions de personnes impactées, avec peut-être l'un de vous pour nous guider. Mais d'ailleurs, si vous voulez, avant qu'on passe vraiment en profondeur sur les questions-réponses... Et Skype, ça a coulé, hein, Skype. Parce que là, je voyais quelqu'un dans le chat qui a mis le Skype du sauvetage. On peut parler de Skype? Ça a bercé mon enfance, mon adolescence. On jouait sur Skype à l'époque, on s'appelait, c'était une folie, Skype. Ça a sombré, hein. Ça a déjà sombré à cause de TeamSpeak dans un premier temps, et après avec Discord, alors là... Je propose qu'on fasse une démo en live avec le SAMU pour que vous puissiez l'expérimenter. Ça existe encore, Skype? Bonjour, je viens de trouver quelqu'un inconscient devant moi. D'accord, dites-moi, il respire ou pas? Ouais, il respire. Il respire, d'accord. Je vais vous aider, je vais faire une visio avec vous pour voir exactement ce qui se passe. Donc je vous envoie un SMS sur votre téléphone portable, cliquez sur le lien. Ça ouvre une fenêtre. C'est parfait, d'accord. Regardez ici, là où je montre sur votre écran. Oh, ils peuvent montrer! Ma souris, son ventre, il bouge. Oh! Oh non, ça c'est une folie par contre! Attends, c'est trop bien. Il bouge. D'accord, très bien. Vous arriverez à le mettre sur le côté? Bah aujourd'hui, sur les téléphones, t'as toujours internet, frérot. C'est bon, il est en PLS. Ah ouais, voilà, c'est parfait. Est-ce qu'il a pris des médicaments, quelque chose? Et plus on avance dans le monde, plus moins il y a de zones grises, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Genre où il n'y a pas de réseau. Genre maintenant, y a, avec la 4G, la 5G, il y a du réseau dans 95% des endroits. Après, bien évidemment, s'il n'y a pas de réseau, ils ne l'utilisent pas, mais... Bon, ça fonctionnait bien en tout cas. Non, c'est vraiment, c'est une dinguerie. Je crois que c'est la meilleure truc que j'ai jamais vu dans cette émission. Magnifique, mais comment vous gagnez de l'argent du coup? Ouais, ça c'est vrai. Business model. Bah, un abonnement, licence. Chaque personne qui l'utilise sur un centre d'appel a sa propre licence. Et c'est combien? La première formule est à 30 euros par mois, la deuxième est à 50 par mois. Vous avez créé ça il y a combien de temps? On l'a créé en 2017, l'entreprise. Ah, et ça a été installé pour la première fois en exploitation quand? 2019, fin 2019, début 2020. Voilà. Sachez aussi qu'en fait, on fait moitié moins cher au SAMU parce que c'est d'utilité publique. Ah bah oui. Et c'est aussi notre travail qu'on fait avec les entreprises qui nous permet de financer une solution comme ça. C'est pas beaucoup, mais s'ils le développent à grande échelle, qu'ils augmentent un peu les forfaits pour certains trucs, parce que c'est très peu cher, 30 euros par mois pour de l'abonnement professionnel, hein, vraiment, regardez dans le pro, tout coûte une blinde. Donc c'est un cercle vertueux, et c'est parce qu'on travaille avec les SAMU que les entreprises nous disent, bah, si votre solution peut gérer des vies, elle peut gérer mes problèmes, et moi aussi j'ai besoin d'avoir des yeux sur mon centre d'appel. On a l'impression que ça n'a pas encore pris. Elle dit comme ça, je suis complètement d'accord. On se dit, on est deux, ça fait plusieurs années, 270 000 euros de chiffre d'affaires, est-ce que ça a vraiment décollé? Ouais, c'est pas des gestionnaires, effectivement, je pense qu'ils n'ont pas le truc pour développer le business, pour ça qu'ils viennent, pour avoir cette aide-là. Laissez-moi vous partager quelques informations. On a déjà 400 000 de bouquets pour l'année prochaine, sur du récurrent. Donc on prévoit de faire 600 000 l'année prochaine et 1,5 million l'année suivante. Ok, ça en entend, mais vous êtes deux. Je sais. Bah, c'est deux cracks, en fait, c'est tout. Ça fait longtemps qu'on est dessus. On a probablement été les premiers à le faire avant même que la techno débarque pour faire ça. On est passionnés. Et j'ai eu Téléperformance encore il n'y a pas très longtemps au téléphone, qui m'a dit, bah en fait, on a investi quand même pas mal en interne pour le refaire et on l'a refait. Vous... Ouais, 30 balles par mois, frérot, c'est rien pour une entreprise. Tu vas te faire chier à développer un truc, ça coûte 30 euros par mois, c'est rien dans une boîte. Vous avez jamais levé de fonds? Non, jamais. Jamais. Et vous vivez comment depuis 2017? Ils savent pas, même eux ils savent pas. Bah, on s'est pas trop payé pendant quelques années. Donc vous faites quelque chose à côté? Ouais, c'est ça, boulot à côté. C'est quoi votre travail à côté? Moi j'étais freelance, je faisais des applications mobiles. Votre marché international semble gigantesque. Ah ouais, le marché il est immense.
Il est infini. Scalable, c'est une solution qui peut facilement grandir en fonction des clients. Une fois que la tech est posée, le plus gros est fait. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas assez de chiffres pour que je me positionne sur ce type de montant. Vous avez un super projet avec une belle histoire. Il va pas y aller, lui. Déjà, son tournure de phrase, elle est pas... Et vous avez réussi à faire beaucoup avec peu. Donc, je vais vous faire une proposition basée sur une valorisation qui me semble un peu plus actuelle. Et j'ai valorisé votre entreprise au prix de 2 pizzas à 5 € de chez Wassim. Donc, je vais vous proposer 1 € pour 92% des parts. Donc je vais vous proposer 300 000 € et pour 15%. C'est comme ça qu'on t'aime. C'est malade. Franchement, tout ce que vous avez fait à deux, c'est incroyable. Franchement, respect. Moi, mon offre, elle va être de 500 000 €, mais j'aimerais 20%. Bon, alors moi, je trouve que t'as super bien parlé. Oui, Tony. Merci. Crache la thune. Incroyable. C'est peut-être parce que je suis la plus tech de la bande. Le mec a fondé Ledger. C'est une malade, enfin je sais pas ce qu'elle a fait elle, mais bon, il y a quand même un mec qui a fondé Ledger quoi, mais bon. Oh. Je vais vous proposer la même offre qu'Eric, bon, sachant qu'avec moi, on peut tout déchirer quoi. Elle m'a pas du tout convaincu, vraiment le speech est éclaté. Hein. Elle m'a donné envie de tout, sauf de lui donner 15% de ma société. Je mets 400 000 € pour 20% du capital. C'est signé. Cet homme m'a convaincu. Moi, je suis eux, je vais avec eux. C'est une folie. Tout est bien. Il a déjà compris le truc. C'est trop fort. Il est trop fort. Hop, on avance, on revient. Leur réponse. Il faut aller avec Marc, 100%. Les gars, vous iriez avec qui? Marc, tous les jours, on est bien d'accord. Bon, on vient avec une contre-proposition. Simplement, on vous. Non, là, vous abusez, les frères. Je pense que c'est assez complémentaire ce que vous pourriez nous apporter tous les deux. Mais à 15% chacun, au lieu que ce soit 500 000, proportionnellement, on est 375 000. Comme ça, on reste cohérent. Moi, je suis d'accord pour votre part. Et donc, moi, j'accepte. Incroyable. Hein. Ben, c'est bon. Ils ont fait le move de l'année. Ils sont trop intelligents. Ils sont trop forts. Avec plaisir. Ah, super. Ils sont trop forts. 750 000 euros et 30%. Trop fort. Produit suivant, les amis. Une poussette. Bravo. On passe au suivant. Merci. Il faut rien écouter. Je m'appelle Bénédicte Perrault. Comment ? J'ai 3 enfants. Bénédicte Perrault ? Et comme tous les parents. Ah non, Bénédicte Perrault. J'allais dire, wesh, c'est quoi ça ? J'ai connu la guerre de la poussette. J'ai surtout connu la galère d'avoir plusieurs enfants et seulement une poussette simple. Alors, 7 minutes pour aller à l'école, 40 minutes pour revenir, je sais pas si vous connaissez. Elle a une bonne énergie cette dame déjà, j'aime beaucoup. Un jour où j'ai pété un plomb devant l'arrêt de bus à côté de chez moi, en train de me dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi j'ai pas juste une deuxième place dans cette fichue poussette pour que je puisse la coller dedans, on avance et on en parle plus. Et là, l'idée arrive. Wesh! La poussette de place! Elle a sorti, c'est une rallonge de poussette! Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous proposer d'investir 150 000 € pour 15% de part de ma société qui s'appelle Vidiamo. Ben en fait, les poussettes doubles, mais elles sont grandes, elles sont balèzes en fait, les poussettes doubles. Là, elle a fait une poussette rétractable double. Elle fait bien plus que ça, c'est aussi ouais. Un lit d'appoint. Ah oui, allongé. D'accord, voilà, voilà, ça vous va là les. Mais c'est déjà une poussette double! Voilà, elle fait tout, frérot, elle va te chercher les courses, elle revient, elle te prépare le dîner, frérot. Elle t'allume la télé, c'est une folie. C'est bon. Elle recherche ton téléphone, exceptionnel. Il y a 9 ans, tu me mets une batterie externe dans la poignée, c'est une folie. Je suis lancée seule et j'ai beaucoup galéré. Mais bon, 9 ans plus tard, je. Par contre, c'est une dinguerie d'être tout seul et de se dire je vais révolutionner le game de la poussette. Et je vais faire une poussette double, rétractable, qui permet de faire une table. C'est une folie tout seul de son. Tu sais, parce que tu peux développer un truc chez toi. Frère, le game de la poussette. C'est inventer un produit, déposer un brevet. Bah ouais, tout ça, genre. Mais oui, ça, un c'est une folie, ça. Des c'est distributeurs, fou. Faire la commercialisation, marketing. Mais tout ça, mais c'est une folie de faire ça tout seul. Bref, je crois que j'ai à peu près tout fait et tout vécu. Des hauts et beaucoup, beaucoup, beaucoup de bas jusqu'à la procédure de sauvegarde pour sauver mon entreprise. Ouais, la routine, quoi. La routine. J'ai l'impression que même si c'est cool, personne n'achète jamais les objets couteau suisse comme ça. Mais là, c'est un vrai game. Hein. Le game des enfants. Il y a des trucs très chers, les parents achètent. Que malgré toutes ces différentes épreuves, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 400 000 € ouais. Et je me suis retrouvée après. Le chiffre d'affaires, ça va rien dire, ça peut coûter très cher. Avec le petit souci de ne plus avoir de stock. Ah. C'est comme vous le savez, le nerf de la guerre, c'est le stock et l'argent. Et donc, quand on n'a plus de stock, on ne peut plus générer le chiffre d'affaires. Et donc, c'est la descente. Donc là, je viens de passer quelques mois à essayer de trouver des solutions jusqu'à en début d'année, me lancer sur les réseaux sociaux. J'ai créé un compte TikTok pour présenter ma poussette, voir ce que ça donne. TikTok, c'est un vrai accélérateur business. C'est une folie. Il y a des mecs, ils prennent des produits de merde. Avant le dropshipping, vous voyez, par exemple, ça se faisait sur Facebook Ads et trucs comme ça. Aujourd'hui, les mecs font un compte TikTok, ils font des vidéos un peu marrantes sur l'objet, le lien du shop, boum, ça part, ça fait des millions de vues super rapidement et gratuitement. Et malheureusement, je n'avais toujours pas de stock pour pouvoir. Oui, par contre, pour mes vidéos Rocket League, il n'y a plus personne qui les regarde. Mais bon, là, c'est quand vous êtes avec un seul enfant que vous avez besoin d'aller faire des courses, j'ai inventé un cabas qui vient se glisser ici. Et hop,
Dinguerie d'avoir pensé à tout ça. Là, vous pouvez mettre jusqu'à 18 kilos de course. Et puis après, quand vous rentrez chez vous, il suffit juste de tirer. C'est une dinguerie. On peut même s'en servir quand on n'a pas d'enfant ou quoi. Ouais, j'ai envie d'en mais c'est clair, moi je mets Patoche au milieu, je vais faire mes courses avec. Hein, c'est une folie. Elle est jolie en plus, c'est vrai, le design est joli. Tu peux aller toucher un peu. Bien sûr, je t'en prie. Il va toucher maintenant. Tu t'assois dedans, Eric. Non, non, mais je vérifie s'il y a des gestes qu'on fait tout le temps. Et frein. Il va en acheter une. Ouais, ça m'étonnait qu'elle ait oublié le frein quand même. Ouais. Non, mais super, c'est solide. Il y a même un panier en dessous pour mettre. Il y a un panier qui s'étend avec la poussette. Non, c'est une dinguerie. Ça a coûté combien au total le développement de la limo ? 1 million d'euros. Ouais, oh un... Et il vient d'où ce million ? Excusez-moi, d'où sort le million ? À quoi sert d'avoir pris 1 million si tu prends perpète ? Excuse-moi, est-ce que je peux poser la question ? Alors, le million, il vient de Friends and Family, donc de la veuve monnaie que j'ai réussi amis, à lever. Des très bons amis. Et puis ensuite, des prêts bancaires. Ah ouais, j'avoue, putain, parce que moi, si je veux voir Madarone, je dis maman, tu peux me donner 1 million ? Elle va me dire, t'es con, toi, non ? Patoche, elle a une famille généreuse. Hein. Quoi, la répartition entre la banque et tes super amis ? À peu près 60-40. Donc, vous avez 60% de la société aujourd'hui, c'est ça que vous dites ? J'ai 65% de la société, ouais. Prix de vente. 750. Par rapport à mon... Ça coûte combien une bonne poussette ? Une poussette double. Non, parce que cette... après, le game des poussettes, c'est très cher. Hein. Vous voyez, si là, je tape poussette double déjà. Une poussette double basique. Il y en a à 350 euros. Hein. C'est très cher quand même pour le game de la poussette. Une slam, je l'ai payé 1350 euros. Mais tu lui as à ton enfant, tu lui as payé une poussette Ferrari, non ? Il y a un moteur dedans, il y a un V12, non ? Ah ouais, 1000 balles, une poussette basique. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec les 150 000 euros alors ? Bah là, les 150 000 euros me permettent d'avoir le fonctionnement du conteneur qui va arriver et de faire aussi un peu de marketing et de communication. J'ai déjà des commandes de distributeurs au Kazakhstan, en Israël et je suis en négociation avec l'Australie aussi. Donc l'objectif l'année prochaine. Mais elle est toute seule à gérer ça ? En direct, c'est pas possible. En France et sur l'Europe, mais surtout de développer beaucoup d'autres pays. Oh là là, mais comment c'est possible de faire tout ça tout seul ? Des fois, je dois répondre à des mails, je suis débordé, frère. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour vous, quoi. Vous êtes belle, vous êtes intelligent, vous savez tout gérer depuis la conception, la commercialisation. Et ça tombe bien parce que moi je suis un peu pareil et en plus je vais tout casser avec vous. Le marketing, etc. Vous êtes bluffante, quoi. Vraiment. Et par contre, elle est bluffante cette dame, hein. Moi, c'est vrai. Je vais pas y aller parce que. Pardon, mais la transition est folle. De ce business qui est ultra dur à trouver en marketing. Voilà. Mais je suis sûre que vous allez trouver la solution. Vous m'avez bluffé. Ah ouais, franchement, c'est une énorme folie. Énorme respect. Hein. Je vais passer, mais franchement, respect et j'espère que vous allez continuer parce que je suis sûr qu'il y a des millions de mamans qui ont besoin de cette limo. Lui, ça va l'intéresser. Il aime bien tout ça, il a un truc de vélo et tout. De mon côté, j'ai 35 ans, pas marié. On va dire que ce projet est l'incarnation de mes plus grandes angoisses. Les enfants, les responsabilités. Des fois, il me casse les couilles, mais il me régale quand même. Lui, je l'aime bien. Mais il n'y a pas le bébé qui vient avec, hein. C'est juste la poussette. Hein. Non, blague à part, le pitch, il est ultra naturel. C'est pas du tout récité. Ah oui, non, le pitch, il est exceptionnel. Le pitch, c'est 10-10. Ou de personnes qu'on voit ici. Donc vraiment, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait et aussi de la prestation. Parce que parfois, on voit des bons exécutants, mais qui savent pas bien le vendre. Et vous avez les deux, qui est relativement rare. Elle est très forte, cette dame. Je suis clairement pas l'investisseur qui va vous accompagner parce que je suis trop loin de ce secteur. Mais vraiment, bravo. Et j'espère Marc, que il va y aller. Des personnes comme Eric, qui ont les parfaites compétences, il le met dans la sauce. Non, par contre, si elle trouve pas l'investisseur, j'ai envie de tout exploser. Tout d'abord, ça a été dit, bravo. C'est absolument incroyable que vous avez réussi à faire alors que vous n'aviez pas les connaissances, a priori. Je sais à quel point réussir une industrialisation, parce qu'elle est quelque chose d'extraordinairement difficile, avec autant de détails. Des brevets et tout, c'est une folie. Et je pense que cette émission, elle existe pour des gens comme vous. Mais je viendrai pas. Et vous pouvez pas repartir. Non, lui va faire une offre. Il est en mode, genre, vas-y, c'est pas mon domaine et tout, mais je vais lui filer 150 000 balles pour que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire ? Sans être accompagné, parce que je pense que c'est mérité, vous le méritez. Mais c'est clair, franchement, si elle l'avait pas accompagné, frérot, j'ai envie de tout péter. Oui. On mérite. Maintenant, l'entreprise est quand même un petit peu en difficulté. Ah, le bâtard, il va négocier. Ah, le chien ! Il y a des dettes, c'est compliqué, et donc ça doit être pris en compte. Je vais vous faire une proposition. Donc, je vais vous proposer 150 000 euros, donc le montant que vous cherchez, mais je voudrais 25% de l'entreprise. Ouf ! Elle a plus rien déjà, je crois qu'elle a que 60%. Elle aura plus rien en fait de l'entreprise. Au final, elle va travailler pour des gens. Merci. C'est dur, hein. Franchement, ça me dégoûte pour elle. Hein. Je préfère avoir un petit peu moins de quelque chose qui va beaucoup grossir. Enfin, quelqu'un de raisonnable. Enfin, quelqu'un qui l'a. Exactement. Non, mais elle a raison en vrai. Je pense qu'elle a raison. De toute façon, ça va couler. Elle a pas l'argent, elle a pas le machin. Mais putain, ça dégoûte quoi pour elle. Exceptionnel, les gars. Vous là, en avez pensé quoi ? C'était là, sinon ce soir c'était fini. Ouais, c'est le chant du cygne. Et c'est maintenant qu'il fallait faire quelque chose. Donc, franchement, trop content. Non, mais ça reste bien quand même. Ça reste bien. Bah, félicitations à elle. Hein. Exceptionnel, hein, bravo. Franchement, dinguerie. Hein.